Du coup, ça, c'est la Le météo. professeur Sainte-Savane Bruel revient avec cette perturbation. Alors Désolée que de ne pas avoir d'habitude, fait elle pendant arrive plusieurs sous jours, mais le j'avais la rayon du flemme. soleil. Regardez la différence au lavant-goût entre hier et aujourd'hui. Ça se passe de commentaires. Alors, pour demain matin, avec du soleil, vous en aurez tout de même. Ouais. Après, vous serez quand même quand même sur le golfe Le du Lion. Et la Styro, Strayou, tu perturbation auras de la aura de la neige. pluie accompagnée de vent. D'autres Et auront de la à neige. l'avant, attention, les sols sont froids. Donc, là où il faudra, ça va glisser, avec de la neige jusqu'en pleine sur les régions de l'Est. Évidemment, en altitude aussi. Ah. Mais ça devrait être un petit peu plus Le souple pour poteau le matin du de nord de Grenoble-Ouest, l'océan, il va y en avec de la avoir. neige aussi sur le massif central. Beaucoup de nuages jusqu'à l'océan. Et le soleil, vous le gardez dans le sud. Voici les températures matinales. Alors, ça se radoucit. Mais justement, je voulais vous montrer la masette. Parce qu'on a une petite langue de douceur qui nous arrive par le nord-ouest. Ça veut dire que le maximum, ce devrait être pour Brest et pour Cherbourg, avec quelques 9 degrés. Déjà dans la matinée, encore des températures bien fraîches au des Pyrénées, moins 7 degrés à part comme ce matin d'ailleurs, avec des gelées certainement jusqu'aux frontières de l'Est, mais dans l'après-midi, les températures vont petit à petit remonter pour tout le monde. 6 degrés, voilà, dans ça, on a un petit peu frais, 5 à 6 degrés sur le nord-est. La suite, me direz-vous. Eh bien, pour la journée de mercredi, la perturbation va apporter de la neige, surtout d'ailleurs sur les Alpes du Nord, y compris jusque dans les vallées. Avec de la neige sur les autres reliefs, à l'arrière quelques averses, du soleil, mais du vent près de la Méditerranée, une certaine douceur l'après-midi. Pour la journée de jeudi, ce sera à peu près la même chose, donc on attend de fortes quantités de neige sur les reliefs. Pour la journée de vendredi, ça y est, les perturbations reviennent, s'installent avec de la neige, mais surtout les températures qui repartent à la baisse. Donc pour samedi, accalmie, autre perturbation qui arrive. Dimanche et lundi, ce devrait être à nouveau de la pluie, de la neige en montagne, peut-être moins.